Ils sont bien déterminés à aller jusqu'au bout malgré les négociations. La grève du collectif des organisations syndicales du secteur éducation, formation, santé, protection sociale est bel et bien maintenue. La décision est tombée lundi 14 octobre dans la nuit à la suite d'une réunion des responsables syndicaux. Enseignants fonctionnaires, enseignants et enseignantes de Côte d'Ivoire, nous sommes aujourd'hui lundi 14 octobre 2024. Il est 19h20. Nous voulons donc vous dire ce soir que le mot d'ordre de grève lancé par les différents secteurs pour les 15, 16 et 17 octobre est maintenu. Restez mobilisés pour que nous puissions donc décrocher cette prime importante pour améliorer nos conditions de vie. Les 72 heures d'arrêt de travail qui débutent mardi 15 octobre sur l'ensemble du territoire national visent, selon les organisateurs, à revendiquer entre autres une prime pour les enseignants, une revalorisation salariale, des indemnités d'allocation familiale, le déblocage des avancements avec effet immédiat. Pour la prime, pour la